Kylian Mbappé a eu droit à sa déclaration d'amour, mais il n'est pas le seul. Nasser Al-Khelaïfi a aussi déclaré sa flamme à Luis Enrique, le président du Paris Saint-Germain, a tout donné. J'ai senti dès le premier match qu'on avait une nouvelle identité, que nous étions en train de construire quelque chose. C'est une nouvelle ère, un jeu offensif, c'est l'ADN du PSG. Et surtout, il prend du plaisir en regardant son équipe. Un premier bilan à la mi-saison à 10 tirambiques en faveur de l'entraîneur espagnol. Alors vous me direz, Nasser Al-Khelaïfi est dans son rôle. C'est de la communication avant tout. Il ne va pas dire du mal de son entraîneur alors que le Paris Saint-Germain est leader du championnat et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Son discours n'aurait sans doute pas été aussi enthousiaste si le Paris Saint-Germain avait été éliminé en phase de groupe. Mais on voit à quel point il a adapté sa communication aux souhaits de Luis Enrique. La volonté de faire confiance aux jeunes, des joueurs qui ont la grinta, l'importance de l'identité de jeu, de l'aspect offensif. Il revient aussi sur la très bonne relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Bref, autant d'éléments de langage qui montrent que pour la première fois depuis très longtemps au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a les clés du camion. Ça ne s'est pas vu depuis longtemps qu'un entraîneur puisse faire ce qu'il veut au Paris Saint-Germain. La totale confiance de son président qui aussi a admis avoir fait des erreurs par le passé, ça aussi c'est rare de l'entendre. Mais je préfère ne pas m'enflammer, ça reste de la communication, ça reste une posture. J'attends de voir les prochaines échéances en Ligue des Champions pour voir si le président du Paris Saint-Germain tiendra toujours le même discours. Alors, est-ce que vous partagez l'enthousiasme du président Nasser Al-Khelaïfi sur Luis Enrique ? Bon, je peux comprendre que pour Alicia, c'est à pondérer. Voilà. Oui, je le partage pour Loïc Tanzi. Pas tout le temps. Vous voulez écrire encore plus petit et plus mal, Benoît, pour le téléspectateur, ou vous êtes au taquet, là ? Vous avez 35 minutes pour écrire une ardoise. Vous avez une très belle vue. Pas tout le temps. Mais c'est pas moi, c'est le téléspectateur. Moi, ma vue, vous savez, n'a aucun intérêt. De l'autre côté, regardez Charlotte, là, voilà, c'est lisible, c'est clair, c'est un oui avec deux points d'exclamation. C'est clair pour Olivier Rouillet, c'est non. Et c'est non également, parce qu'il est bilingue, il voyage. Ah, c'est un guide du routard, lui tout seul, c'est rien courrouble. Charlotte, je vous fais commencer. Vous m'avez répondu oui, avec de l'enthousiasme même, avec les points d'exclamation. Vous êtes enthousiaste sur les débuts de Luis Enrique, vous êtes d'accord avec le président du PSG? Oui, on a vu tout de suite qu'il a fait des choix forts, qu'il a laissé le temps à certains joueurs de s'exposer, d'exploser, de performer. Il y a eu beaucoup de renouveau dans cette équipe et le fait qu'il n'y ait plus Neymar et Messi, il fallait essayer de construire un collectif avec les jeunes, avec les nouveaux arrivants. Donc, je trouve que tactiquement, c'est très, très bon. Offensivement, ils sont placés d'une telle manière, défensivement de même. Donc, il y a vraiment une cohérence et il utilise les joueurs à des postes clés, à leurs bons postes, avec leurs qualités et leurs défauts. Donc, on prend du plaisir. J'attends de voir aussi, je suis d'accord avec Alicia, au fur et à mesure de la compétition en Ligue des Champions surtout. Mais pour moi, je me régale à regarder le PSG aujourd'hui. Je sais que Olivier Rouillet, je ne peux pas dire, n'est pas fan. Je sais qu'il attend de voir. Il paye pour voir. Il a une posture d'attente. Et pour le moment, Olivier ne peut pas dire que les 5 premiers mois d'Enrique vous aient renversé. Ah bah non, complètement. J'ai écouté avec attention, mais je ne suis pas aussi convaincu de... Il n'a pas rapport à quoi ? Non, mais je ne trouve pas, moi, qu'il y ait quelque chose de si extraordinaire. Je ne trouve pas... Alors, tu dis, il utilise les joueurs. Oui, bah, il y a ça. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Pour le moment, de ce que je vois... Je veux dire, sans joueurs, c'est... Non, mais je veux dire, à leur poste. Oui, j'avais pas fini ma phrase, très juste. Mais, hein ? Ils ne sont pas tous à leur poste. Puis, non, moi, je m'enflamme pas parce que je ne vois rien de vraiment très concret. Alors, si, en Ligue 1, bien sûr, il y a toujours cette supériorité technique et individuelle, collectivement, on commence peut-être à voir un petit peu quelque chose, mais... La grande force, ça reste quand même la différence que fait Kylian Mbappé, je suis désolé. Dans le reste, non, j'attends. En Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu une équipe qui, quand elle jouait à l'extérieur, eh ben, elle disparaissait. Elle a pris quand même à Newcastle quelque chose de terrible. Là, il a dit que tous les matchs, il méritait de les gagner. Ouais, mais ça, c'est... C'est un peu... partager avec Alicia. Comment tu peux dire qu'à Newcastle, par exemple... Non, il n'a dit pas à Newcastle. Ah oui, c'est vrai, celui-là, il oublie. Sauf à Newcastle. Oui, je suis d'accord. À Milan, on peut discuter. Je suis d'accord, ouais, mais ils ont été dominés, quand même. T'en prends 3 quand même. Donc, non, moi, je ne suis pas convaincu. J'attends de voir vraiment quelque chose. Alors, tu dis cohérent. Tu vois pas de différence avec la patte Galtier. Tu vois aucune différence tactique. Non, mais ne me parlons pas du pauvre Christophe Galtier. C'est l'actualité. Non, mais attends, le pauvre vieux. L'identité, elle est différente. Oui, non, mais alors là, d'accord, mais lui, au bout de 2 mois, c'était 3 mois. Pas Galtier, mais en général. D'accord. Moi, j'aimais bien Tourol quand même, j'aimais bien dans ses affaires. Il y en a un qui a eu.
qui commençait à essayer de mettre quelque chose en place, c'est quand même Emery. Emery, il mettait quelque chose. Tu vois, il y avait du travail qui était fait. Bon, là non plus, on ne lui a pas laissé le temps. La chance de Luis Enrique, c'est, comme l'a dit le président, oui, il a admis qu'il s'était trompé. Et il s'était trompé dans son recrutement, etc., etc. Donc ça, c'est la chance de Luis Enrique, parce qu'on le laisse travailler maintenant, on le laisse faire. Donc oui, oui, j'espère, mais pour cette année, moi, j'attends de voir encore, je regrette. Et en plus de ça, dans les chiffres, on n'a pas non plus de grande différence avec le Paris de Galtier jusqu'au 10 janvier. On a comparé au 10 janvier 2023 ce que donnait le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier, qui marquait plus de buts par match, qui encaissait moins de buts par match que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. En revanche, on voit qu'il y a un style un peu différent. L'équipe de Luis Enrique tire plus au but et a plus le ballon. On a regardé autre chose aussi, la moyenne d'âge tout simplement des Parisiens, parce qu'il a parlé justement d'une équipe qui était rajeunie, 24 ans et demi. Là, par contre, c'est vrai qu'il y a une énorme différence. 24 ans et demi cette saison, c'était 27 ans la saison passée, donc l'équipe du Paris Saint-Germain a considérablement rajeuni. C'est vrai, Benoît, que ça joue quand même à un moment. C'est aussi peut-être qui a pu expliquer le côté lent à démarrer, même de cette équipe. Mais ils s'en sont sortis. Ils auraient pu sortir de la poule. Alors, OK, il y a le miracle du pénalty contre Newcastle. Il y a tout ça, mais ils sont attendus au tournant parce que si je veux simplifier la tâche entre Charlotte et Olivier, il dit on sera meilleur en février. Il l'a dit. C'est là qu'on va savoir. Mais plus que les années précédentes, c'est pas juste la qualif ou pas la qualif, c'est même aussi le fond de jeu. Alors après, je suis d'accord avec eux qu'ils partent sur un nouveau projet. Donc il faut être patient. OK, ça, il n'y a aucun souci et je suis à 100% d'accord avec eux. Par contre, quand je lis le président, il dit « je prends du plaisir en regardant mon équipe », non, là, c'est de la com. On sent que le président est derrière l'entraîneur pour pas qu'il y ait de soucis, pour pas qu'il y ait d'autres questions concernant le début de saison de Luis Enrique, parce que malgré tout, ce début de saison est poussif. Ils se sont qualifiés, mais ça a été très compliqué. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Paris Saint-Germain dans le doute en poule de Champions League. Et où je l'attends, et pour l'instant, je suis pas enthousiaste. Je sais pas comment enthousiaste. Enthousiaste, pardon, par rapport à Luis Enrique. Pourquoi ? Il est arrivé, il a dit. Moi, je vais instaurer un jeu de possession. Très bien. On voit, la possession est là, mais c'est souvent une possession stérile pour moi. Moi, j'attends de voir le Luis Enrique qui avait le jeu de possession au FC Barcelone, où il y avait de la vraie possession, où les milieux de terrain participaient énormément au jeu et où devant... Il fait avec l'effectif peut-être déséquilibré. Je suis d'accord. Il a du temps. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il dit qu'il a du temps. Mais okay. Si on juge, là, on juge sur les six premiers, on juge sur la déclaration de Nasser. Ouais, c'est non, ça. On ne peut pas être d'accord parce que pour l'instant, on n'a pas vu un PSG flamboyant dans le jeu. Voilà. Alors Loïc, pour terminer ce mini-débat après l'œil d'Alicia, vous allez nous dire pourquoi vous êtes plutôt convaincu. Parce qu'on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Et c'est peut-être le plus important pour les supporters du PSG aujourd'hui de se dire, enfin, peut-être, on a un club qui est aligné. Ils sont indulgents, les supporters, je trouve. Hein. Ouais, mais justement, parce que le discours a changé. Parce que le discours, c'est on veut un vrai projet sur le long terme avec un coach à qui on va laisser le temps, à qui on va laisser les pleins pouvoirs. Il a voulu faire partir des joueurs, les joueurs sont partis. Il a voulu recruter d'autres joueurs, les joueurs sont arrivés. Et ce coach-là, il dit lui-même, il me faut du temps parce que ce que je demande à mon équipe demande du temps. Tu parlais justement de cette équipe de Barcelone, il veut la même chose. Sauf que lui, il dit, j'y arriverai pas en 6 mois, j'y arriverai peut-être pas en 1 an. Mais petit à petit, mon équipe va progresser et vous allez voir ces progrès-là. Et en fait, je trouve qu'on prend un peu plus de plaisir que ces dernières années. Du plaisir, on va en prendre. Le président du Real de Madrid, Florentino Pérez, lâche une phrase qui fait beaucoup parler à propos de Kylian Mbappé. On va essayer d'en parler. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Florentino Pérez, on va parler du Real de Madrid, du PSG, de Kylian Mbappé. Mais si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors, le président du Real de Madrid, Florentino Pérez, lâche une phrase qui fait beaucoup parler, les amis. Cette phrase fait beaucoup parler. Je te mets dans le contexte. Un fan du Real de Madrid croise Florentino Pérez dans le couloir, je ne sais pas trop quel couloir, et il pose la question à Florentino Pérez. Il dit, je cite, Florentino Pérez, vous êtes le meilleur président du Real de Madrid de tous les temps. On veut Kylian Mbappé. Le président Florentino Pérez répond, je suis d'accord avec vous. Maintenant donc, on ne sait pas de quelle réponse il répond. Est-ce qu'il répond parce que le fan lui a dit, vous êtes le meilleur président de tous les temps du Real? C'est pour ça qu'il répond, je suis d'accord avec vous.
Ou alors, il répond à la deuxième question, à savoir, monsieur le président Pérez, on veut Kylian Mbappé. Parce que c'est après la question, c'est après avoir formulé sa question qu'il répond, je suis d'accord avec vous. On ne sait pas quelle question il répond. Parce que le fan dit, monsieur le président Florentino Pérez, vous êtes le président de tous les temps du Real. On veut Kylian Mbappé. C'est la question qu'il pose, hein. Monsieur le président Florentino Pérez, vous êtes le meilleur président de tous les temps du Real de Madrid. On veut Kylian Mbappé. Il répond, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est Florentino Pérez qui répond, je suis d'accord avec vous. On ne sait pas donc, est-ce qu'il répond, je suis d'accord avec vous, pour dire que c'est lui le meilleur président de tous les temps, ou alors il répond, je suis d'accord avec vous, pour dire que oui, Kylian Mbappé doit venir au Real de Madrid. On ne sait vraiment pas. Cette phrase fait beaucoup parler. Beaucoup estiment qu'il a répondu à la deuxième question, c'est-à-dire, on veut Kylian Mbappé. Beaucoup estiment que c'est la première question qu'il a répondu, c'est-à-dire, vous êtes le meilleur président de tous les temps du Real de Madrid. En tout cas, donne-moi ton avis en commentaire. Selon toi, il a répondu à quelle question, la première ou la deuxième question? Du coup, donc, ça fait beaucoup parler. Beaucoup estiment que non, il va mettre la pression pour faire venir Kylian, etc. Tout le monde le sait déjà. Le président Florentino Pérez veut vraiment Kylian Mbappé. Il veut en faire son projet du futur. Kylian est jeune, il a 25 ans. C'est vraiment un jeu qui colle avec le projet du Real de Madrid. Et surtout, Kylian, c'est un nom. Kylian, c'est un nom qui fait vendre en termes de marketing, en termes de vente de maillots. C'est vraiment un jeu qui fait vendre, les amis. Donc, ça sera vraiment un jeu idéal pour Florentino Pérez, pour vraiment vendre le rêve aux supporters. Parce que c'est ce type de jeu qui vend le rêve aux supporters, qui fait en sorte que les supporters achètent les maillots, etc. Donc, Florentino Pérez a toujours voulu Kylian. Il a toujours voulu Kylian. Maintenant, donc, est-ce que Kylian va aller au Real de Madrid, les amis? Est-ce qu'il va aller au Real de Madrid? Ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il va aller au Real de Madrid? Parce que Nasser a dit qu'ils vont tout faire pour garder Kylian. Ils vont tout faire pour garder Kylian. Que Kylian, c'est le meilleur joueur du monde. Que Kylian a tout à gagner en restant au PSG. Que le PSG, c'est le club idéal de Kylian. Bref, Nasser a tout dit pour draguer Kylian. Il a tout dit pour draguer Kylian Mbappé. Mais est-ce que Kylian Mbappé va céder à ses avances? Est-ce qu'il va finir par comprendre que le PSG, c'est vraiment le club qu'il faut pour lui? Est-ce qu'il va aller au Real Madrid? Est-ce qu'il va aller à Liverpool? Pour l'instant, moi, je pense que Kylian n'a pas encore pris sa décision. Moi, je pense que Kylian ne sait même pas encore là où il doit partir la saison prochaine. Il ne sait pas encore. Je suis sûr qu'il y a encore les doutes dans sa tête. Je suis vraiment sûr. J'ai même suivi la piste Barcelone. Que Kylian irait au Barça, pour moi, c'est vraiment du n'importe quoi, les amis. Je ne crois pas une seconde. Kylian n'ira jamais au Barça. Jamais. Si pas en Espagne, ça sera le Real de Madrid. Ça sera le Real de Madrid. Je n'y crois pas une seule seconde. Je n'imagine pas Kylian aller au Barça. Soit le Real de Madrid, soit il prolonge au PSG ou encore Liverpool. Moi, je ne vois pas aller au Barça, même à Manchester City. Parce qu'à City, déjà, il y a Haaland. Je ne vois pas Haaland et Kylian Mbappé jouer dans le même club. Parce que c'est deux joueurs qui sont en concurrence. Moi, je ne les vois pas jouer dans le même club. Après, comme je l'ai dit, Kylian lui-même, à mon avis, il ne sait pas encore là où il va jouer la saison prochaine. Il n'a pas encore pris sa décision, selon moi. Il est encore en phase de réflexion. Et à juste titre, c'est vraiment un moment décisif pour lui. S'il prend une mauvaise décision, ça va plomber le reste de sa carrière. Ça va influer sur le reste de sa carrière. Donc, il a intérêt à prendre la bonne décision. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur le cas Kylian Mbappé. Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!